faut savoir qu'en Guadeloupe, nous avons plus de 35% de la population de la Guadeloupe qui vit au-dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté en Guadeloupe, c'est 800 euros par mois, alors qu'en France hexagonale, on est à 1000 euros. Le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant en Guadeloupe est autour de 24 000 euros, alors qu'il a 30 000 euros en Île-de-France. Vous voyez, donc on est vraiment, en plus on est dans une île, et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué avec les surcoûts. Et à partir de là, on a un phénomène de pauvreté. Vous avez 30 000 logements insalubres en Guadeloupe. Ça, c'est quand même phénoménal. Et pour y remédier, donc il faut évidemment un renouvellement urbain. De mémoire, il y a 220 000 logements libres, logements intermédiaires, logements sociaux sur la Guadeloupe, et vous avez à peu près 40 000 logements sociaux, ce qui représente 20%. Ce n'est pas énorme, mais c'est vrai que dans le parc privé, il y a beaucoup de logements indignes et il faut y remédier. Et pour cela, donc, il faut rénover. En Guadeloupe, vous avez vraiment plus de 83% de la population de la Guadeloupe qui est éligible au logement social. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y en a qui sont sous le plafond des revenus. Et beaucoup vivent de revenus sociaux. Vous avez un territoire où vous avez plus de 25% de chômeurs et plus de 40% de jeunes. Donc vous êtes sur une poudrière. Pour rendre une ville attractive, je crois qu'il faut changer de modèle économique. Effectivement, depuis mon arrivée il y a environ 3 ans à la tête de la SICOA, qui regroupe 8000 logements, hein, 7500 logements en Guadeloupe, c'est vrai que le constat était quoi? Ben, le constat, c'est que nous avons beaucoup de logements en forme de bar. Les Tourgabars, c'était 20 étages. Nous avons des logements avec R plus 10 et R plus 8. Je crois que ce modèle économique-là a fait son temps pour revoir complètement l'attractivité d'une ville en fonction de l'imposition, l'attractivité par rapport au parking, la propreté de la ville et aussi, donc, comme je l'ai dit donc, tout à l'heure, cette attractivité se fait autour de l'animation. Si on veut créer de la cohésion sociale, si on veut créer du partage, si on veut créer du lien social, je crois qu'il faut revoir complètement ce modèle économique. Et moi, face à ce constat, j'ai décidé avec mon conseil d'administration et mon directeur général de revoir complètement le modèle économique du logement social en Guadeloupe, à savoir que nous allons laisser tomber donc, les bars et les tours pour venir avec des modèles qui sont beaucoup plus à taille humaine, avec des modèles à R plus 1, plus 2, voire plus 4 maximum, où vous avez un bien vivre ensemble, où les gens arrivent à avoir cette cohésion et ce lien social. Il est important d'avoir cette mixité aussi sociale au sein d'une résidence. Et j'ai constaté à mon arrivée qu'il y avait beaucoup de ghettos. Et le terme est fort quand je le dis. Par exemple, la ville de Pointe-à-Pitre, il y a certains bâtiments où vous avez des ghettos. Pourquoi? Parce que vous avez fait 1000 logements dans un coin et dans ce coin-là, ben, vous n'avez pas de mixité sociale, vous n'avez pas de parcours résidentiel. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec une seule catégorie, alors que vous pouvez donc avoir des personnes qui peuvent être de logements intermédiaires, du logement d'accession à la propriété. Et je crois qu'il faut revoir, il faut changer de paradigme complètement et revoir le modèle économique. Et c'est ce que je suis en train de mettre en place actuellement au niveau de SICOA. Et je crois que tous les autres bailleurs sont sur la même vision que moi.